Bonjour à tous et à toutes et à tous, en tout cas. Bonjour à tout le monde, finalement. On est le 11 octobre, l'Action grasse. J'espère que vous avez profité de la belle journée. Moi, j'ai profité. J'ai eu une très belle après-midi, je peux vous dire ça. Donc, j'en ai profité au maximum. Bienvenue à cette soirée de témoignages que je raffole à tous les lundis, que j'aime beaucoup. J'attends ça avec impatience parce qu'à toutes les semaines, j'apprends encore toujours souvent des nouvelles choses. Donc, c'est vraiment, vraiment génial. Le but de la présentation, je vais commencer par me présenter, pour ceux qui ne savent pas. Je m'appelle Léo Lemay, je suis consultant en technologie japonaise depuis plus de 23 ans que j'ai connu cette belle entreprise. Donc, le but de cette soirée, c'est de vous donner simplement de l'information. C'est tout. Vous allez entendre des témoignages ce soir des gens qui ont eu des résultats avec les technologies. Puis c'est tout. Puis de pouvoir, peut-être que ça ne s'adresse pas à vous, ceux qui écoutent la vidéo ce soir, peut-être que ça ne s'adresse pas à vous, mais c'est impossible que vous ne pensiez pas à quelqu'un, dire, hey, mon père, mon soeur, mon frère, ma soeur, un ami, mon voisin, ma voisine, peu importe, hey, ils ont des problèmes parce que quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas de problème de santé, qu'il ne connaît personne qui a des problèmes de santé, il n'est pas sur la planète Terre. Il a beau skier, mais il n'est pas là, on s'entend. Donc, il n'est pas là. Fait qu'au départ, je veux juste vous mentionner que ça existe depuis 46 ans. Ça vient du Japon. On est dans 19 pays présentement. Ça a fait ses preuves. OK? Comme je dis à quelqu'un, si ça n'avait pas marché il y a 46 ans, je ne serais pas en train de vous en parler ce soir. Est-ce que ça guérit? Non, ça ne guérit pas. Ça soulage, ça fait du bien, ça peut prévenir, parce que les Japonais sont plus en mode prévention que guérison. On s'entend? Donc, ça peut prévenir bien des choses. Fait que je n'entendrai pas personne, ça va guérir quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai. Ça prévient. Ça soulage, ça fait du bien. Donc, vous allez avoir des échos. Puis, il y a des fois qu'il y a des résultats assez spéciaux. Donc, j'ai deux invités à soir qui vont vous en partager, que j'ai rencontrés pas plus tard que samedi. Fait que je vais débuter avec la maman Catherine et on va avoir une grande primeur ce soir, son fils Raphaël, qui va nous faire un petit témoignage. C'est mon plus jeune, en 23 ans, un petit gars de 10 ans qui va nous témoigner. C'est lui, là, il fait signe, c'est lui, là. OK? Raphaël, tantôt, on va laisser parler ta mère pour une fois. Puis après ça va être à ton tour, je vais te poser les questions. OK? Catherine, ouvre ton micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Catherine, qu'est-ce que ça a fait pour toi dans ta vie? Je sais que c'est passé de quoi dernièrement, là, puis qu'est-ce que ça a fait? Moi, je vais commencer par. Dans le fond, je vais parler du Kinko Magflex, puis aussi le CIP système. Dans le fond, moi, ça a fait beaucoup du bien. C'est lundi passé, dans le fond, je suis allée chercher un meuble d'ordi pour mon fils qui était très, très pesant. Donc, j'ai été obligée de le dévisser, de le descendre de 3 étages au moins. Et aussi de le remonter chez nous, de le rentrer aussi. J'ai été assis par terre. J'ai trouvé ça vraiment difficile parce que j'avais les mains, quand j'ai fini, j'avais les mains toutes boursouflées. J'avais des picotements dans les mains jusque dans les bras. Fait qu'avant de me coucher, je me suis dit, je vais mettre le Kinko Magflex dans le dos avant de me coucher. Je vais dormir avec toute la nuit. Je vais dormir dans mon sleep system. Donc, j'ai dormi la nuit. C'est sûr que j'avais encore des picotements, ça me faisait mal. J'ai comme moins dormi cette nuit-là. J'ai enroulé mes mains, mes bras dans le sleep system, dans la couette. Et le lendemain matin, je peux te dire que grâce à ça, je n'avais pas mal au dos du tout. Je pense que si je ne l'aurais pas mis, j'aurais souffert en titi le lendemain parce que j'avais vraiment mal, là. J'étais assise à terre, là, sur le plancher, là, puis j'avais de la misère à me lever tellement que j'avais mal. Fait que grâce à ça et au CIP système, j'avais plus mal du tout. J'avais encore, c'est sûr, un petit peu des picotements dans les mains, mais ça m'a duré peut-être une journée et demie. Après ça, j'avais plus mal du tout, là. Encore là, tu sais, plus mal. Pas tout. Je peux me les fermer comme il faut, puis c'est vraiment merveilleux. Fait que pour ces deux-là, j'adore. C'est tout. Je ne comprends pas l'anglais, un sleep system, c'est un système de sommeil qui fait que c'est ça qui fait que ça t'a pu récupérer plus rapidement pendant la nuit, tout ça. Donc, reste ton micro ouvert parce que là, c'est Raphaël qui va parler. Salut Raphaël, comment ça va? Et toi? Ben, très, très bien. Hey, je te félicite, gars. 10 ans, tu as fait un témoignage à soi, là, c'est toute beauté, puis tout le Québec va t'entendre. Imagine-toi, là. Pour moi, je vais battre un record de vues grâce à toi, là. Fait que je suis content que tu sois là. Puis, tu as le même nom que mon fils. On est fait pour s'entendre, moi, pour toi. Hein? Qu'est-ce qui est Ouais. arrivé avec, je sais, de deux produits que tu veux nous parler, hein? L'oreiller puis le bracelet? Non, Compte-nous juste l'oreiller. Ouais, ça. juste l'oreiller.
Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Parce qu'avant, là, j'avais d'autres oreillers, mais les autres oreillers, là, quand je me couchais, c'était vraiment dur, puis ils sont pas mous. Puis ma tête, elle faisait mal, j'avais mal à la tête. J'étais difficile à m'endormir. Puis j'avais pas des bons rêves, mais quand ma mère, elle m'a donné ça, oh my God, j'ai rêvé de Niken ce jour-là. J'ai pas eu mal à la tête, je m'ai endormie. Le meilleur possible, oh my God, faut que tu me vois quand je m'ai dormi dans ça. Là, c'était la meilleure journée de ma vie. Je te niaise même pas. Ben, je comprends. Ben, oh my God, c'est beau ton témoignage. Bravo, le gars. Hey, c'est un beau cadeau que ta mère t'a fait, hein? Puis, tu sais quoi? Vraiment. On finit d'en faire parce qu'elle m'a tout dit que ce qu'elle veut s'équiper éventuellement. Ben, merci, Raphaël. Tu as très bien fait ça. Je te félicite. Tout le monde est fier de toi. Fait, bravo, gars. Puis, une autre fois, tu reviendras, on en parlera. Puis, je sais que tu as un beau témoignage avec le poignet aussi que. T'en parles à ton professeur, imagine-toi, il est à l'école puis il commence à parler de Nikan. Déjà, il est futur consultant. Bien, merci, Raphaël. On va s'en aller dans le bout de Tetramind, c'est loin, loin, loin. Solange Vachon, s'il vous plaît. Bonjour, Solange, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Merci pour le beau témoignage, Raphaël, c'est bien. je vais renchérir par rapport à ça parce que avec la tête d'oreiller, on peut aussi, avec l'oreiller même, on peut aussi acheter la tête d'oreiller qu'on met par-dessus. Et moi, c'est quelque chose, c'est un témoignage que je fais par rapport à une de mes amies. Eux avaient beaucoup de difficultés avec la radiofréquence. Il y a des personnes qui sont très, très, très sensibles aux énergies, qui sont très sensibles aux compteurs intelligents. Et cette couple d'amis-là sont très, très, très sensibles. Et ils ont déménagé dans un appartement, ouais, c'est un building où est-ce qu'il y a vraiment Wi-Fi, un 5G qui est installé dans leur appartement à eux. Puis, ils n'étaient pas capables de dormir avec ça. Qu'est-ce que ça causait? C'est que ça causait vraiment de la difficulté à dormir. Il perdait des cheveux, le conjoint perdait des cheveux, il y avait des affaiblissements, il y avait des gros mal de tête. Il sentait l'énergie, lorsque le Wi-Fi partait, il sentait l'énergie vraiment pénétrer dans le corps. Alors, c'était très, très difficile pour eux. Et on a eu la chance de pouvoir leur faire essayer justement la tête d'oreiller. Et à partir du moment instantanément qu'ils ont pris la tête d'oreiller, eux, ils ne sont pas couchés avec ça. Ils ont enveloppé le Wi-Fi, le 5G. Dans la tête d'oreiller. La tête d'oreiller, il y a un zip qui referme. Ils ont pris vraiment le Wi-Fi, ils ont rentré le Wi-Fi dans la tête d'oreiller, puis ils ont zippé, puis ils ont laissé juste les fils sortir. Puis ça a été instantané. Ils ont arrêté de ressentir vraiment les radiofréquences. Puis ça a été vraiment un bon succès. Puis là, écoutez, ils en ont acheté quatre têtes d'oreiller parce qu'aujourd'hui, ils se couchent. Vu qu'eux, ils ont réussi à régler ce problème-là. Il y a des personnes en dessous d'eux qui ont fait venir justement encore des Wi-Fi assez forts. Et là, ils ressentent l'énergie par en dessous ou le lit. Ils essayent de déménager, mais ils ne peuvent pas présentement. Alors, ils ont acheté des têtes d'oreiller pour placer en dessous de le corps pour se coucher sur le lit. J'ai ri parce que je leur ai dit, écoute, il y a vraiment je crois, le Kenko Nature, que tu as vraiment le drap pour pouvoir te coucher, de placer en dessous des draps contours. Mais eux ont décidé de faire venir les têtes d'oreiller et se coucher en dessous parce qu'ils l'ont essayé, se coucher dessus parce qu'ils l'ont essayé. Et ils ont trouvé que vraiment, vraiment, là, ça l'arrêtait tout pour eux. Fait que c'est vraiment des super de bons résultats. Fait que merci, Niken, pour ça. Puis, j'aurais un autre petit témoignage à dire. Ma Oui. sœur Sylvie, elle a une hernie discale, une grosse hernie discale. Et lorsqu'on a fait la présentation des produits Niken, on l'a présenté justement le Kenko Therm. Ça, c'est la bande qu'on met justement pour la cheville, qu'on peut mettre à la cheville, mais qu'on peut placer au poignet aussi. Et ma sœur, elle l'a placée à sa cheville parce qu'elle ça y est lancé jusque dans le pied. Et à partir du moment qu'elle a installé cette chevillette-là, dans le fond, dans sa cheville, 70% de la douleur a disparu. Après, on a parlé du Mac Duo et les petites boules, justement énergétiques. Et ils ont tout simplement frotté la cheville à peu près une minute. Puis la douleur a disparu instantanément. Alors, je vais vous dire que ça l'a vraiment aidé. Et ça a été une vente qui a été bien faite parce que c'est certain qu'elle s'en est achetée vu les beaux résultats.
Fait que c'est vraiment bien. Bien, merci, Mme Solange, puis ton beau témoignage de Wi-Fi, parce que en 23 ans de carrière, c'est la première fois que je mettais une tête d'oreiller sur un routeur, là, mais ouais. Fait que c'est bon qu'on le dise à tout le monde, parce que oui. Moi, j'ai dit à ma gueule qu'elle dormait au sa chambre était juste à côté du téléphone, pas de téléphone, le compteur intelligent, elle avait des problèmes de sommeil. J'ai dit, bien, essaye le sleeping bag, puis depuis ce temps-là, que le sleeping bag, elle s'enveloppe dedans, puis ça la protège de ces mauvaises ondes. Fait que vous connaissez sûrement des gens qui ont ces problèmes-là. On a des solutions pour eux autres. Bien, merci beaucoup, Solange. Je m'en vais voir Nathalie. Nathalie, ouvre ton micro. Bonjour. Oui, bonjour. Nathalie, j'ai eu le privilège de rencontrer samedi. Je ne sais pas pour elle, c'est un privilège. Et j'ai fait des présentations devant Nathalie, puis elle m'a servi de cobaye pour les tests. Mais il s'est passé deux choses dans le corps de Nathalie à la fin. Quand on a eu fini, peux-tu compter ce qui s'est passé avec la plaque de dos et le power chip, le poignet pour ta cheville, pour ton poignet finalement? Oui, c'est ça. Moi, c'est Mickaël, il m'avait invité à la présentation. Puis le vendredi pendant la nuit, c'est spécial parce que j'ai commencé à avoir mes règles, puis je n'étais même pas supposée les avoir cette journée-là. Puis moi, habituellement, quand j'ai mes règles, j'ai des grosses douleurs là, au ventre. J'ai des crampes, je reste pliée pour que je sois couchée. Des fois, je vomis, ça va vraiment pas bien. Là. Fait que là, c'est sûr que pendant la nuit, j'avais pris un petit quelque chose pour ma douleur, mais la présentation était juste à 11h du matin. Puis je suis arrivée, puis là, je me disais, ça me tentait pas d'aller à la présentation, là, je filais vraiment pas. Mais là, je me disais, je vais aller, Mickaël, elle m'a demandé, je vais être là pour Mickaël. Bon. Puis là, je suis arrivée, puis là, Catherine, qui était là à la présentation, à un moment donné, j'ai dit que j'avais mal au ventre puis que je me sentais pas bien. Fait qu'elle m'a sorti justement le... Je sais pas comment ça s'appelle, là. La petite plaque. La plaque, flex, la plaque de dos. Exactement. Fait que là, elle m'a dit, mets ça sur ton ventre en dessous de tes vêtements. Fait que là, j'ai mis ça pendant la présentation. Puis aussi, j'ai mal au poignet aussi quand je fais des push-ups. Maintenant, là, à chaque fois que je fais des push-ups, ça me fait, j'ai des douleurs puis je trouve ça inconfortable. Fait que là... je crois que c'est la mère de... Non, c'est Manon. C'est la mère de Catherine, Manon? En tout cas, quelqu'un m'a prêté le truc pour que je mette au poignet avec le... Power chip? C'est ça. Fait que là, pendant la présentation, j'avais ça sur moi. Puis j'étais vraiment... Ça m'a vraiment... ça m'a vraiment, vraiment surprise. J'ai jamais eu un résultat aussi rapidement, là, mais mon mal de ventre, là, il est parti. Ça n'a pas été long. Là. Je pense qu'après 15 minutes, je ne sentais plus rien du tout. Là. Je capotais. Donc là, je l'ai mis dans mon dos. Puis là, je commençais à avoir des douleurs dans le bas du dos en arrière. Puis là, à un moment donné, j'ai senti le mal de ventre qui revenait, mais je l'ai remis en avant. Puis c'était instantané. Là, je trouvais ça magique. J'avais jamais vécu quelque chose d'aussi rapide pour soulager cette douleur-là. Puis habituellement, on prend un médicament, puis il faut attendre une heure, là, puis on souffre pendant une heure jusqu'à ce que ça fonctionne. Mais là, ça a vraiment été rapide. Puis à la fin de la présentation, j'ai été testée. Je suis allée faire des push-ups dans le salon, puis plus aucune douleur à mon poignet. Donc, c'était très... J'ai vraiment été agréablement surprise là, par les produits. Bien, bravo. Puis, tu sais, c'est pas la première fois que j'entends ça pour les trucs de femmes que vous avez à tous les mois, là, vos mensualités finalement. Là. quand toi, tu souffres, ben, c'est plate pour ton chum. Fait que là, toi, tu étais contente. Puis ton chum, il était content aussi quand tu es arrivé. Hein, c'est ça qu'il fait. Oui, oui. Puis moi, je l'ai vu faire, tu sais, j'étais témoin, là, j'étais là, c'est moi qui faisais la présentation, puis je l'ai vu, à un moment donné, je le regarde, elle est en train de faire des push-ups dans le salon, puis elle revient, puis elle dit, tabarouette, elle dit, c'est parti. Quand elle parlait de la plaque de dos, ben c'est ça, on lui a prêté pour son ventre, puis on lui a prêté un poignet avec l'infrarouge, avec la power chip, qui est ça. Pas compliqué, là. On a fait ça live, puis c'est après, j'ai dit, hey, il faut que tu viennes compter ça lundi, ben je te remercie énormément d'avoir pris le temps de nous parler de ça ce soir. Il y avait une autre personne qui était là samedi, il s'appelle Marie-Ève. Merci Nathalie de former ton micro. Et Marie-Ève est là aussi samedi. Bonjour Marie-Ève, comment ça va? Bonjour Léo, ça va bien toi? Et oui, mon public préféré, on a ri en tabarouette samedi, on peut dire ça. Donc j'ai eu du... Et à un moment donné, ben, on a dit à Marie-Ève, enlève tes bas, puis on y a installé le tapis Kenko Ground qui est fait justement pour mettre les pieds dessus. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Bien, pour des personnes qui sont toujours du haut des airs, lunatiques, qui sont ailleurs, ça ramène beaucoup. Ça crée
une vibration, comme un... c'est un fourmillement, en fond, on a vraiment l'impression d'être groundé, puis pourtant, il n'y a pas de... On ne sent pas nécessairement de chaleur, c'est juste on se sent là, tout simplement. Beaucoup. Je l'ai beaucoup aimé. Puis tu as senti un pétillement, puis... Oui, oui. Puis le niveau... c'est ça, dans le fond. Oui, oui. Je me suis sacrifié, j'avais deux pieds dessus, mais là, pour vous le montrer, là, quelques minutes, là, je me suis sacrifié. Vous savez comment je suis bon, moi, là. Mais c'est ça qu'on parle du tapis. C'est groundé, c'est pas électrique, c'est mis à la terre. C'est vraiment assez fort, puis vous tuez à le sentir du pétillement, puis en dessous de ses pieds. Puis on peut dormir, puis j'ai des gens qui ont eu des témoignages. Moi, je dors avec sous l'oreiller, puis j'ai des clients que ça les a aidés au niveau de l'acouphène et l'autre, l'apnée du sommeil. Avez-vous intéressé en passant? Mais merci beaucoup, Marie-Ève, d'être présente ce soir. C'est le fun. Merci, merci de l'invitation. C'est un plaisir de te faire rire encore. J'espère bien. J'espère bien, OK. Puis la coupable de tout ça, qui a osé les inviter, Marie-Ève et Nathalie, ça prend une coupable. Ils ne sont pas venus cogner sa porte chez Manon et Karine pour le fun, puis ils faisaient du porte-à-porte un samedi matin. Non, il y a une coupable là-dedans qui s'appelle Michael. Bonjour, Michael. Allô, allô, Léo. Bonjour, Michael aussi, il s'est passé quelque chose samedi, c'était le fun samedi. Hein? Il s'est passé quelque chose. C'est quoi qui s'est passé? Absolument. Bien, j'ai pu essayer les Kenkoterm, les gants Kenkoterm, en fait. C'est des gants où les doigts sont... Il y a le bout des doigts qui dépasse. Moi, je suis massothérapeute de formation. Je fais de l'arthrite maintenant dans mes mains. J'ai souvent beaucoup de douleurs. Et donc, on avait la paire de gants disponible à ce moment-là, samedi. Et je les ai enfilés. Puis moi, en étant massothérapeute, mon ressenti est très, très, très développé. Je suis très sensitive au niveau énergétique. Et aussitôt que je les ai mis, j'ai commencé à sentir vraiment là, un petit tingling, là, un petit pétillant. Je sentais vraiment le flow énergétique, les fluides se promener beaucoup plus. C'était vraiment très flagrant. Puis j'avais une sensation de fraîcheur aussi dans mes mains, un peu comme l'effet de l'antiflagestine quand on se frotte un muscle. Et donc, moi, de sentir quelque chose presque immédiatement, puis en continu dans mes mains avec la paire de gants, j'étais wow, ça m'a vraiment fascinée, ça m'a fait du bien tout de suite. Pardon. Et puis après ça, j'ai senti que ça dégageait, puis ça l'a allégé un peu là, au niveau de mes mains, fait que j'ai beaucoup apprécié cette expérience-là de le sentir, mais presque immédiatement, c'était vraiment fascinant. Alors voilà. Mais merci. Je vais juste, Marie, juste démontrer ton micro. Marie, je vais juste nous dire salut. Juste montrer les gants, jouer. Ouvre ton micro. Non, il faut que tu parles. Il faut que tu parles pour que ça soit l'écran, plein l'écran. Juste montrer les gants aux gens. Voyez-vous, c'est ça les gants qu'on parle. Ceux qui ont des problèmes de hit, là, je n'ai pas le droit de dire les noms, hein, ouais. Sont enregistrés à soir et c'est pitché à grande échelle. Donc, ceux qui ont des problèmes d'articulation, c'est ça, les gants. Puis l'hiver, ça vient. Fait que les doutes sont confortables. Fait que, confortables, oui. On sent vraiment l'énergie. Hein. Oui. On sent l'énergie. Fait que c'est tout nouveau. Bien, on les avait déjà eu, ils viennent de revenir. Bien, merci beaucoup, Maryse. On s'en va maintenant avec France. France, s'il vous plaît, ouvre ton micro, France. Oui, France, aurais-tu un petit témoignage à nous partager ce soir? Oui, bien, tantôt, je ne sais pas si vous avez vu, là, mais mon chat, moi, j'ai les anciens... Magboy, puis mon chat, il capote quand j'y fais. Puis moi, le matin, en prenant mon café, au lieu de faire le tapping, bien, à ce temps, je prends ça, puis je le passe partout sur mon corps. Puis, là, peut-être deux semaines, j'avais comme froid aux pieds. Fait qu'au lieu de mettre des petits bas, ben j'ai pris la genouillère, puis je me suis rentré le pied. Écoute, ça a été instantané. Puis depuis ce temps-là, à tous les soirs, ben je l'ai commandé les genouillères, mais son bacardeur. Fait que là, à tous les soirs, à ce temps, je me rentre le pied. Fait que là, j'ai une partie de la cheville, puis la moitié du pied, puis je m'endors avec ça. Puis je me réveille le matin, ils sont sortis, mais la sensation de déposer, là, c'est extraordinaire. Puis ça me faisait rire parce qu'au début, ils parlaient des oreillers. Puis moi, bien, c'était deux semaines, j'ai commandé la tête d'oreiller. Puis je ne sais pas si vous voyez, mais mon oreiller finit ici. Fait que ça se trouve à toucher dans mon dos.
jusqu'en bas des omoplates. Je t'adore ça. Je n'ai pas de problème de sommeil, mais mon sommeil est tellement meilleur, profond. Puis c'est comme si je bouge. Je ressens que je bouge quasiment plus comme avant. Mais la tête d'oreiller, là, c'est vraiment un must. J'ai le matelas, là, mais c'est vraiment, là, j'adore Mekon, mais toutes ces choses-là. Puis ça, tous les jours, ben, j'ai ma bouteille d'eau. Fait que c'est merci parce que c'est des produits extraordinaires, puis j'en parle. Mais tu sais, même mon chat, comme là, tu sais, je suis assise sur le Kenko-Sit. Fait que dans le jour, ben, mon chat, on chicane parce que c'est lui qui est couché là-dessus. Puis. Ben, je remercie Mekon parce que c'est des très bons produits, puis c'est too much. Imagine-toi, tu es obligé de te chicaner avec ton chat, c'est pas évident. Hein? Eh oui. Les animaux le sentent, l'énergie. Plus ah oui. D'autres, fait que. Il y a des pet-pads exprès pour les chats et les chiens, de toute façon. Puis, souvent, je vais le suggérer pour ceux qui ont des jeunes bébés naissants. Tu mets le pet-pad pour le petit pet-pad dans la couchette. Là. Puis, ça aide beaucoup au bébé à mieux dormir, moins de coliques, mais des fois, même plus de coliques pantoufles. Il y a un sommeil plus profond. C'est bon pour les chats, c'est bon pour les bébés aussi. Bien, merci beaucoup, Franck. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire la douche, la pomme de douche. Ouais, la pomme de douche aussi, oui. C'est la peau, j'ai plus besoin de mettre de crème, mes cheveux sont brillants, sont plus cassés. La première fois que j'ai pris ça avec ça, là, c'était instantané. C'est vraiment, là, je croyais, mais c'est vraiment vrai. Le fait que ça pile tout le chlore, la peau, moi j'avais une peau qui était très sèche, puis à terre, j'ai plus besoin de me mettre de crème. Fait que, merci. Bien, tu as raison pour la pompe de douche. Mon ami coiffeur, il me disait, moi, je ne connais pas ça, je ne suis pas coiffeur. Et ce n'est pas les teintures qui m'agagnent le plus les cheveux, c'est l'eau chlorée. Donc, la pompe de douche, elle enlève le chlore, elle magnétise. C'est bon pour le corps, c'est juste. Bien, merci beaucoup, France, pour ton beau témoignage. Bien, merci. Tout le monde qui a témoigné, j'apprécie. Voyez-vous, c'est ça, Nikan, c'est que ceux qui écoutent la vidéo présentement, en reprise, ou ceux qui sont directement en live ce soir. Merci d'être là, mais sûrement, j'avais pensé à quelqu'un, c'est impossible. Puis, il y a un proverbe chinois, même si des technologies japonaises, on reste en même couleur, jaune, il y a un proverbe chinois qui dit, si vous connaissez un secret, puis vous savez que ça peut aider quelqu'un, vous devez de le partager. Je répète, si vous connaissez un secret, puis vous savez que ça peut aider quelqu'un, vous devez de le partager. Donc, à soir, j'avais entendu plein de témoignages intéressants, puis en 23 ans, j'en ai entendu plusieurs. Donc, c'est à nous de le partager. C'est ça le but du Zoom de ce soir, c'est de partager qu'est-ce qu'on a appris par rapport à ça, parce que ce n'est pas vendu chez Jean Coutu, ça ne sera jamais vendu chez Jean Coutu, encore moins chez Walmart, parce qu'on prend le temps de l'expliquer, on prend le temps de faire des présentations de cuisine, comme j'ai fait après-midi, et les gens, ils le voient, c'est instantané. Donc, puis qu'est-ce qui est arrivé avec Nathalie, qu'est-ce qui est arrivé avec Marie-Ève et Michael, puis encore après-midi, il est arrivé des choses, donc c'est génial. Donc, moi, je suis très, très heureux de partager ça, puis on partage un mouvement humainement meilleur avec qu'est-ce qu'on vit présentement. Je pense que les gens cherchent de s'entourer de gens positifs, des gens qui veulent mettre la santé en priorité et non l'inverse, ça va? Donc, si vous avez reçu cette vidéo-là, si quelqu'un a pensé à vous, qui vous aime bien, prenez le temps de recontacter la personne qui vous a envoyé cette vidéo-là, parce qu'elle vous aime, puis elle vous a fait un cadeau. Et elle a d'autres informations à vous donner. Fait que c'est à vous de contacter la personne qui vous a envoyé ça, et elle a des courriels, d'autres informations. Allez plus loin. Allez plus loin. Vous allez être surpris de ce qui peut arriver. Je pourrais en rencontrer bien des choses, mais je ne veux pas que ça étire trop longtemps. On va avoir une session de questions-réponses après l'enregistrement. Ceux qui veulent rester, puis vous avez des questions plus précises à poser. Je parle surtout aux invités parce que les habitués, on connaît nos réponses, on connaît nos questions pour ne pas étirer trop la soirée. Donc, je vais demander à mon ami Michael d'arrêter l'enregistrement, s'il vous plaît.